Bonsoir à tous. La dernière émission de cette saison aura déjà un goût de vacances. Du soleil et des nanas au programme de ce soir, puisque nous allons parler du club de vacances le plus célèbre du monde, avec notre invité qui est ce soir Pierre-André Hitin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé pendant 20 ans la Ligue d'Impro. Vous êtes aujourd'hui un organisateur hors pair d'événements, mais vos classes, c'est comme Géo, vous les avez faites. Vous nous raconterez votre expérience tout à l'heure. On va retrouver l'ambiance du Club Med dans les années 80. On reverra aussi notre Guy Le Maire national dans un télétourisme historique. Mais d'abord, et comme chaque semaine, c'est notre séquence Viewmaster, elle s'intitule « Les Belges et les vacances ». Si vous avez plus de 70 ans, vous vous en souvenez peut-être, avant 1936, il n'y avait pas de congés payés. Il y a tout juste 70 ans aujourd'hui, la loi instituait en effet 6 jours de congés payés, une loi votée à l'unanimité à la Chambre qui allait constituer une véritable révolution sociale. Tout le monde, les vacances, c'est partir. Il n'y a actuellement qu'un Belge sur trois qui prennent des vacances. C'est peu, mais cela fait 3 millions de personnes qui partent. Et la plupart de ces 3 millions de personnes partent sur une période très limitée de l'année, sur 2 mois, juillet et août. Mais je crois qu'effectivement, actuellement, les vacances sont mal utilisées, tout simplement parce que tout le monde prend ses vacances pratiquement dans la même période de temps, et que cela se traduit évidemment par des embouteillages absolument invraisemblables qui vont certainement à l'encontre, toute réflexion faite, du bienfait que l'on pourrait retirer de ces vacances si elles étaient bien prises. En réalité, chacun parle de partir en vacances pour se détendre, pour se refaire une santé, pour se calmer les nerfs, pour se refaire des poumons, pour se refaire des muscles. Et puis le résultat, c'est que tout le monde s'entasse dans des trains, s'entasse, s'empile sur les autostrades, arrive ou n'arrive pas au bout, car s'il y a quelque chose qui fonctionne à plein pendant la période de juillet août, par exemple, actuellement, c'est au moins les hôpitaux. On arrive dans des stations qui sont sursaturées de monde, il faut pousser les uns et les autres pour trouver un petit peu de place sur le sable, il faut chercher très loin pour trouver un peu de silence, pour trouver un peu de calme, ce fameux calme que tout le monde va rechercher en vacances. En réalité, on débouche sur l'absurde. Est-ce que vous prenez des vacances, madame ? Rarement, monsieur. Mais vous en prenez parfois quand même? Oui, une fois par semaine, un jour. Ah, vous ne prenez jamais de vacances pendant l'année, une longue période? Non. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Vous n'avez pas envie? Si, mais c'est trop dangereux sur la route. Pardon, monsieur, prenez-vous des vacances? Non, merci, madame. Vous ne prenez pas de vacances? Jamais. Vous ne prenez jamais de vacances? Jamais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. J'habite la campagne et ça me suffit déjà. Je dois dire malgré tout qu'une partie de la population caravanière aime bien le camp, et quand je dis aime bien le camp, c'est le camp avec le boucan, le bruit, les gosses qui chialent. Je constate, nous devons constater que beaucoup de gens aiment ça, sinon ils trouvent que ça fait triste. Bon ben voilà mon salon, un salon très confortable, hein. Bon, des sièges avec des ressorts, bon, vous pouvez le constater, des tentures en velours ici, beaucoup d'armoires. Voilà. Y en a-t-il parmi vous qui ne sont jamais allés à la mer? Ma mère, elle a 14 ans, elle ne m'a plus vu, hein. Ma mère. Vous n'avez plus été à la mer. Qu'est-ce qui a changé à votre avis? C'est un dû, hein, sûr. Hein? C'est un dû, sûr. C'est ça que je regarde, hein. À ton âge, hein. C'est un dû. À ton âge. Il y a moniteur et moniteur.
Ceux avec qui nous passerons quelques minutes aujourd'hui font partie de ces sportifs qui, tout au long de l'été, enseignent la voile à ceux qui, jusqu'alors, confondaient barre et manche, ou perfectionnent le style des skieurs nautiques qui n'ont eu l'occasion de se livrer à leur passe-temps favori que le temps des vacances. Souriant souvent, bronzés toujours, ils sont présents du matin au soir dans les clubs ou villages d'été, s'intègrent dans les souvenirs de vacances au même titre qu'un barbecue réussi ou la visite d'un monument historique. Ils ne semblent pas avoir de vie personnelle et on les annexe quasi de droit. Les tutoyer ou leur offrir un verre est un privilège envié. Être moniteur de sport dans un club de vacances, est-ce que ça veut dire qu'on a un art très poussé du baratin ? Je crois que cela vient tout seul. On est obligé de parler beaucoup, énormément. On n'arrête pas de parler. Mais quand on est avec les gens qui passent leurs vacances, on est autrement. On se fait une personnalité. On se fait un personnage. On se fait un personnage, oui. C'est vrai que toutes les filles tombent dans les bras des moniteurs de sport. Ça fait partie du reste ? Oui, c'est une conséquence. Comment vous réagissez alors ? Bon, comment on ne peut pas tomber amoureux de toutes les filles, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Ben, moi, je suis marié alors. Pierre-André Hittin, en tant que géo gentil organisateur dans un club de vacances, est-ce que les vacanciers belges sont facilement repérables ? On les voit arriver ? Oui, on les voit arriver, on les entend, on les sent participatifs. Chaque fois qu'il y a, entre guillemets, à l'époque, donc un quart des Belges qui arrivait, c'était l'enthousiasme général de tous les géos. On dit « Ah, on va bien s'amuser ». On va se moquer, ça veut dire ça ? Non, je pense que les Belges sont réputés bon enfant, bon public. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui était participatif, les Belges étaient le premier à accepter le jeu de participer à tout, donc on était très contents d'avoir des Belges. On le sentait. Plus il y avait de Belges, plus le village tournait. Alors, pour parler un petit peu de votre parcours personnel, vous êtes arrivé dans ce club de vacances célèbre au début des années 80. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a amené là-bas ? Un peu de piston et beaucoup de hasard. J'ai terminé mon service militaire à une période entre deux études. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, pas du tout. Et on m'a dit, mais va voir au club, tu as le sens de la communication, tu as déjà fait DJ, tu as déjà servi dans les bars. Va voir là-bas ce qui se passe. Et c'est vrai que j'avais un bon piston pour y aller. Donc je me suis découvert barman 3 jours après ma démobilisation. C'était très marrant de passer de l'armée à un autre camp, on va dire, on pourrait dire comme ça. Et puis voilà, l'aventure a commencé soi-disant pour 4 mois et a duré presque 4 ans. Et donc il faut des pistons pour entrer au Club Med, c'est ça ? Non, à l'époque, je pense qu'il ne fallait même pas de pistons et que je crois qu'on rentrait un peu comme ça. On connaissait déjà, on arrivait parce qu'il ne fallait pas de compétences particulières. En sport, il ne fallait pas être diplômé nécessairement. En animation, en barman, enfin, il n'y avait pas de requêtes. On n'insistait peut-être pas encore trop sur les langues. À l'époque, il suffisait d'être sympathique, entre guillemets, et on rentrait au Club Med. Et donc, vous avez exercé quelle fonction ? Donc, j'ai commencé comme barman. Et puis je me suis senti plus proche de tout le côté scénique et animation, donc je suis devenu animateur. Et en fin de parcours, j'ai été ce qu'on appelait à l'époque coordinateur d'animation, c'est-à-dire gérer l'équipe d'animation. Alors Marianne Susini est avec nous comme chaque semaine. Bonsoir Marianne. Bonsoir Élodie. Alors bien sûr, vous allez nous parler des archives qu'on va voir ce soir, mais vu que c'est la dernière de la saison, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan sur cette saison de Zoom arrière. Ben oui, pourquoi pas. Alors bilan sur le choix de nos archives. Nous avons essayé d'être éclectiques, non pas dans le sens racoleur, mais dans le sens non sectaire du terme. Nous pensons que les archives de la RTBF sont un patrimoine, nous pensons qu'elles sont à tout le monde, et donc nous avons essayé de diffuser des émissions qui aborde des thèmes les plus larges possibles, depuis le politique, le social, le culturel, jusqu'au sport, en passant par les variétés, le divertissement, et j'en passe bien sûr. Alors revenons à nos vacances, que va-t-on voir ce soir ? Alors tout d'abord, une émission de la série À suivre, magazine d'enquête et de reportage. Et cette émission sera consacrée au Club Méditerranée, un sujet bien léger donc. Et cette émission est signée en 1984 par Marco Lamensch et Jean Libon. Alors Marco Lamensch et Jean Libon, ce sont les papas du magazine Striptease, et je dois dire qu'on sent... Avant la lettre, le vent de Striptease, peut-être au propre comme au figuré, qui souffle sur cette archive consacrée au Club Méditerranée. Ensuite, une émission de la série Télétourisme, série légendaire de la RTBF, menée depuis plus de 25 ans par Guy Lemaire. Et cette émission sera consacrée aux vacances et à leur histoire.
Et c'est peut-être aussi l'occasion de tirer un petit coup de chapeau à quelqu'un qu'on a vu dans le Viewmaster, qu'on reverra aussi dans le télétourisme. Mais oui, Arthur Hollot qui nous a quittés il y a maintenant un tout petit peu plus de 2 ans, un grand monsieur, un poète, un grand résistant, un grand militant socialiste qui œuvra pour la démocratisation du tourisme, mais aussi pour le droit au repos de la classe ouvrière. Cela a débouché d'ailleurs sur l'instauration de la loi sur les congés payés en 1937. Et puis après-guerre, Arthur Hollot devint commissaire général au tourisme et dans ce cadre, il avait fondé la Commission européenne pour le tourisme. Alors, il faut bien dire que c'était un temps où les gens n'allaient pas tous en vacances, loin s'en faut. C'était un temps où on ne se moquait pas encore des petits travers et des faux des touristes et il faut bien dire que c'est une attitude un brin élitaire. Merci Marianne. Voici donc en 1984 Pousse la Nana et Moule Café dans la série à suivre. À tout à l'heure. On a envie de faire du sport, on fait du sport, on a envie de se faire bronzer, on bronze, on a la boîte à côté, on... c'est bien. Tu es contente d'être Géo? Super, c'est formidable. Pourquoi? C'est formidable parce que ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup, on voit énormément de choses, on rencontre beaucoup de monde, on rencontre toutes sortes de gens, c'est formidable. Sportives, nous avons proposé des activités sportives. Les gens les pratiquent ou ne les pratiquent pas. Il y a des gens qui viennent ici, qui sont là à l'heure des repas, qui viennent pour manger et qui ne font rien d'autre qu'aller à la plage, prendre le soleil. Ils ne sont pas du tout obligés de faire quoi que ce soit. Et puis il y en a d'autres qui sont à fond dans les sports. Tu ne dois pas me vouloir le faire, c'est un peu le jeu de jambes du boxeur. Tu décolles plus que ça. T'es passé à peu près combien de vacances au club? Beaucoup, hein. Certainement une dizaine. Plus même. Parce qu'on fait j'imagine que si vous y retournez, c'est que vous êtes content. Oui, c'est qu'on est content, en effet. Je crois que ça avait à la fois les avantages du camping sans en avoir les inconvénients, quand c'est dans un club comme celui-ci en Payotte, que ça a les avantages de l'hôtel sans en avoir les inconvénients,
quand on est dans un village comme Djerbala 12, par exemple, ici, c'est évidemment, ça ne ressemble pas tellement à l'hôtel. Mais enfin, on a quand même tout le service, on ne doit pas se préoccuper de la table et de... je crois que ça, c'est ce qui nous fait penser à l'hôtel. Et alors, je le répète, les excursions, si on veut voyager. Et puis les sports aussi. Hein. Et les sports, bien sûr. Donc chacun, il nous paraît que chacun, à tout âge, y trouve ce qu'il cherche. Qui vient ici. Et ça nous paraît très, très large, hein, d'après les contacts et les conversations qu'on a eues. C'est vraiment de Oui, c'est un peu tous les milieux. C'est très classe moyenne, dirions-nous. Oui, oui. Qui vont au club, ce qu'ils attendent avant tout, c'est le soleil, c'est une table. Je crois qu'il y a une qualité constante de produits, quel que soit le village. On leur demanderait où ils seraient, je pense qu'ils seraient, ils pourraient pas répondre. Ils pourraient pas. Ils suffiraient peut-être au personnel local ou à la plantation, il n'y a pas de cyprès, bon, c'est peut-être pas la Grèce, mais il y a de faibles indices. Tant qu'ils n'ont pas franchi la barrière du village, je crois qu'ils savent pas où ils sont. Ils ne la franchissent pas souvent, apparemment. Comment ? Ils ne la franchissent pas souvent. Non, il y a des excursions organisées, mais je pense pas que ce soit la majorité des personnes qui viennent dans un village qui participent à ces excursions. Et s'ils viennent au club méditerranéen, à mon avis, ça n'est pas tellement pour visiter le pays. Sinon, je pense qu'ils choisiraient un autre mode de vacances. Si, Sex and Sun. Si, Sex and Sun. Je crois que c'est... ça peut résumer le club, effectivement. Alors, je crois qu'il est très important de savoir où vous êtes, de savoir un petit peu ce que c'est le club méditerranéen. Tout d'abord, vous êtes dans le village le plus vieux du club actuellement existant. Et que le club méditerranéen, eh bien, c'est vraiment ici qu'il est, le club à ses origines, le club tel qu'il était, tel qu'il est né, c'est vraiment ici qu'il est. On dit toujours, là je parle pour les anciens, on dit toujours, au club méditerranéen, il y a un animateur. Dans une organisation de vacances, il y a un animateur. Eh bien, moi je vais vous dire une chose, il y a un animateur ou une équipe d'animateurs. Il n'y a pas, dans un village du club méditerranéen, 40, 50, 60 animateurs, une équipe géo, une équipe d'animateurs, il y a une équipe qui va déclencher quelque chose.
déclencher quelque chose cette semaine. Nous sommes 750, vous êtes 750. Il y a donc 750 animateurs. Et puis, est-ce que vous êtes là ce soir? Les hommes, est-ce que vous êtes là ce soir? Tout est rodé, tout est préparé. Quand les gens sortent de l'avion, ils sont pris en main. Ils sont pris en main, c'est sûr, du début à la fin. Beaucoup le recherchent, ils n'ont pas de soucis d'organisation du tout. Ils n'ont pas à faire les courses pour aller manger. Il n'y a pas de place à prendre pour le spectacle, etc. Donc tout est pris en main. Il est certain, par exemple, quand on propose plusieurs activités sur une même soirée, que parfois il y a un mouvement de panique parce qu'il y a un choix. Souvent, les gens aiment tellement être guidés que... leur proposer une seule chose les contente parce qu'ils n'ont pas à faire le choix. Asseyez-vous les filles, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et on continue. Vous avez fait, tu peux, là tu peux, le jeu est parti maintenant. C'est au premier qui n'a pas le droit, après j'ai le droit. Allez, vite, 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 déshabillez-le, déshabillez-le. C'est certain qu'il y a des jours où on s'amuse, mais il y a des jours, s'amuser 6 mois tous les soirs, on est obligé à un certain moment de faire semblant. Ça, c'est inévitable. Alors, ça vient un petit peu de la comédie, certains. Alors, on ne peut pas appeler ça de l'hypocrisie, mais on peut pas, en présence des gens qui, eux, viennent s'amuser, on ne peut pas leur présenter le visage du stressé. Alors, on est souriant, c'est certain. Je crois qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, on se préoccupe de rien. C'est très agréable. On se débranche. Bon, on est con, bien sûr, on est con. Ça, il ne faut pas dire. À certains moments, on est parfaitement con. Mais ça fait plaisir de temps en temps. On est sérieux pendant toute l'année, 12 mois sur 12. Alors, de temps en temps, être un peu con, c'est pas... C'est un endroit où on se défoule, le club. Je ne sais pas si on se défoule, mais... On peut être bête sans risque. On peut être bête sans risque, pourquoi pas. Peut-être bête est un mot très péjoratif. Je crois qu'il y a moyen de s'amuser, de faire. Oui, je crois que finalement, c'est bien de pouvoir, à certains moments, de pouvoir jouer, de retrouver cette dimension de l'enfant. De temps en temps, tu te dis pas. Les gens sont tout à fait débiles d'accepter ça. Oui, en principe, je ne devrais pas le dire. Il est certain que beaucoup de gens sont assistés, tiennent à être assistés. Donc nous, on organise, nous sommes gentils organisateurs, on organise de façon à ce qu'ils aient le minimum d'imagination, disons. Et les gens suivent. Parfois, c'est impressionnant de voir les gens faire la même chose tous en même temps. Quand il y a 500 ou 600 personnes, ça fait un drôle d'effet. Est-ce que vous êtes prêts pour le faire une seule fois? C'est parti une fois! Allez, une fois la main, une fois la gauche! 1, 2, 3, 4, et les mains! Et les cuisses! Allez, une seule fois. Souriez, souriez, je veux vous voir sourire. Aïe, aïe, c'est dur à faire, mais ça revient tout de suite, très vite. Regardez, on étend les mains. Une main, deux mains versées, bras croisés, moulinés. Voilà, voilà, super, c'est bon. Regardez bien, là, il le fait très très bien. Pour satisfaire les gens, je ne pense pas que... d'arriver à faire une forme d'animation à la limite du entre guillemets débile soit une solution pour arriver à les satisfaire. Je suis un jeune chef de village, j'ai toujours un folklore qui entoure toujours un géo.
Et pour moi, c'est important, je fais toujours du folklore pour les grands mouvements. Toujours très drôle, sur la plage ou ailleurs. C'est une page de publicité. Comme vous pouvez, le constater, un chef de village a une vie extrêmement privée, extrêmement... C'est incognito. Je me promène sur la plage incognito. Mais coucou, reste. La drague au club, c'est important? Ça fait partie de l'ambiance club, effectivement. C'est important. Ouais. Enfin, pas mal de gens viennent en partie, là, surtout les jeunes. Facilement. Enfin, pour moi, je veux dire, j'ai pas spécialement besoin de venir au club pour ça, mais c'est encore plus facile, effectivement, au club. Tu es heureux ici? Heureux, c'est un grand mot, non? Je suis bien, ça va, je passe 15 jours de vacances, sympathique. Oui, on se fait draguer. Pourquoi? Oui, d'ailleurs. C'est pas extra ce qui nous drague. On préfère mieux. Alors, quand on entend certaines réflexions du chef de village, tu t'emmerdes ici parce que t'as pas su baiser depuis 8 jours. Faut pas croire qu'on est venu ici pour baiser. Hein. C'est pour baiser, je vais pas ici moi. C'est ça, le club, il y a beaucoup de gens qui se font à l'idée que c'est pour baiser. Alors quand on s'emmerde, ils sortent que c'est parce qu'on n'a pas su baiser. Quoi. Moi je vois pas que je suis pas venu pour ça. Mais c'est pour ça quoi. C'est pisque. C'est fait. Tu fais beaucoup comme ça, tu sais. Ouh, te laisse comme ça, regarde. Non, c'est une com' tu vas dormir. Belge, comme ça, posé sur le. Good evening to everybody. Take a seat. Sit down if you are in front, and try to stand up on the wall if you are all around. And like that, everybody will see the cocktail. Et tout de suite le premier cocktail, sans plus tarder. Premier cocktail qui sera présenté par Adam et Ève. Adam et Ève qui vont vous présenter le cocktail Mimosa. Dans le cocktail Mimosa, pardon, vous avez du rhum blanc, vous avez de la bénédictine, vous avez du jus d'orange et vous avez de la grenadine. White rum, bénédictine, grenadine and orange juice. That's the cocktail Mimosa. Regardez bien à chaque fois la forme du verre, de manière ensuite à retrouver ce cocktail sur le buffet. Watch at the glass like that, you will remember where is the glass and which cocktail it is. How great love can be, a sweet love story that is older than the sea. The simplest about the love she brings to me. Where do I start? Il reste 9, il reste 8, il reste 6, il reste 5, il reste 4, il reste 3, monsieur Jean-François, il en reste 2, il en reste 1, il reste 0 secondes, c'est parti pour les 12 heures de la danse à Djerbar, à la fidèle, pour ce grand marathon, on y va, on tape dans les mains, c'est parti, les concurrents sont là, ils sont tous là, ils sont à droite, ils sont à gauche, je remets la montre dans la poche, et c'est parti maintenant pendant 12 heures. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il y en a encore qui n'ont pas compris. Il y en a qui ne va pas parler français. C'est pas grave. C'est pas grave de toute façon. Eh bien,
Ce sont vous les meilleurs. Ce sont ceux qui s'amusent, qui ont envie de s'éclater. Ce sont les meilleurs. Les autres, on les laisse dans leur panier. Hein, ils vont aller faire dodo dans 5 minutes, ils vont aller se coucher. C'est pas un problème. Pour l'instant, nous, on a envie de s'éclater. On a envie de se la donner correctement à la fidèle. Car c'est un village jeune sportif et dynamique. Il est 12h27 minutes et 45 secondes. Changement d'enceinte, changement d'ambiance. On continue toujours très fort. Alors que j'ai toujours pas fait pipi ni caca depuis hier soir. Et on tient quand les mains soulevées, tout le monde vient d'arriver là. La mocherie sous les ombrières, c'est facile pour vous, hein. L'invention, on tape dans les mains, s'il vous plaît, ceux qui sont coincés au bar. Les 10 dernières secondes, 51. Ensemble, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Stop la musique. Bonsoir, nous sommes en compagnie de Pierre-André Hitin. Je rappelle que vous avez dirigé pendant 20 ans la Ligue d'impro, que vous êtes aujourd'hui organisateur d'événements, mais tout au début de votre vie d'adulte, vous avez été pendant 4 ans géo, gentil organisateur au Club Med. Donc j'imagine que ceci doit vous rappeler pas mal de bons souvenirs. Oui, étais-je adulte à ce moment-là? J'en sais rien. Oui, plein de bons souvenirs. C'est vrai qu'en voyant Marco Lamench à la fin, on se rend compte évidemment que c'était tourné dans un certain esprit striptease, bien sûr. Un peu cliché, j'ai envie de dire. Mais ceci dit, assumons à 200%, toutes les images sont là, sont bien réelles, il n'y a pas de trucage. Et je dois avouer que mot à mot, j'ai effectivement fait tout ce qu'on vient de voir. C'était ça, vous avez d'ailleurs gardé le look. Hein. Oui, j'ai été surpris de voir un compère avec le même cuir chevelu. Alors vous dites que vous n'avez pas de diplôme, mais que le Club Méditerranée a été votre école. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Tout serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, beaucoup de choses. À l'époque, on a 20 ans, on ne sait pas quoi faire nécessairement, on se cherche, et puis on débarque là-dedans sans trop savoir nécessairement comment ça se passe, mais
on rencontre plein de gens, donc tout le côté communication, on est obligé de gérer des gens, que ce soit les spectateurs, j'ai envie de dire, enfin les touristes qui viennent là, donc il y a des gens dont il faut s'occuper, il faut comprendre comment ça fonctionne, être à leur disposition, être disponible, et puis il y a tout le côté interne des choses, où il faut gérer, entre guillemets, 120, 130 caractériels, entre guillemets, les géos, et à l'époque il y en avait beaucoup plus que maintenant, et donc ces gens venaient de beaucoup de pays, donc il y avait le côté échange d'un côté, puis côté discipline d'équipe, pardon, et donc quand on a 20 ans, bah, on apprend en tout cas tout ça. Là, vous n'êtes pas le seul, hein. D'autres ont commencé leur carrière comme ça au Club Med. Il y a Élie Kakou, Alex Métayer, mais aussi Vincent Lagaffe et peut-être plus étonnant, Gérard Lenormand. Est-ce que pour vous c'est un hasard? Est-ce que le Club Med fournit des célébrités? Il y a plein de non-célébrités, mais en tout cas elle fournit des gens au sens large de communication et qui ensuite, dans la majeure partie des cas, se tournent vers des métiers où ils vont rester sur la scène, où ils vont rester dans les coulisses de la scène. Nombre sont ceux qui ont ouvert des boîtes de nuit, qui ont dirigé ensuite d'autres villages, qui sont occupés de restaurants, qui ont géré eux-mêmes des boîtes de production, qui sont dans l'organisation d'événements. Donc on reste dans ce milieu, peut-être pas tous, mais majoritairement, j'ai l'impression, dans un milieu effectivement d'organisateurs au sens large des mots. Alors on voit dans le document pas mal de gens beaux et bronzés. Je sais qu'aujourd'hui, les critères de sélection sont essentiellement basé sur le physique. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà le cas? Je pense que c'était plus le cas. C'était encore plus le cas à cette époque-là? Je pense que c'est honnêtement moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une notion de gestion qui rentre en ligne de compte et de compétences réelles. Comme je le disais, je pense qu'à l'époque, il faut être juste effectivement sympathique, généreux, enthousiaste, avoir le sourire, avoir la pêche. Et c'était bon, il fallait foutre le feu au village et que les gens sortent là contents, qu'ils aient fait la fête, qu'ils soient à la limite plus fatigués qu'ils n'étaient en arrivant. C'est encore le cas dans certains villages, mais à l'époque, tous les villages, c'était comme ça. Alors une autre caricature qu'on a pu voir, c'est un film culte, ce sont les Bronzés. Pour vous aussi, là, c'était pratiquement de la télé-réalité? Oui, oui, 100% oui, rien d'autre à dire. Je pense que c'était vraiment ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qu'on a pu faire au Club Méditerranée? On en a fait beaucoup, hein, et à commencer par exemple par peut-être l'isolement. On dit souvent que les clubs s'implantent dans des régions paradisiaques, mais complètement isolés de la vie culturelle et sociale. Ben, c'est vrai, il faut assumer. Dans le reportage, d'ailleurs, tout est dit, il y a une personne qui dit, la dame dit, je pense, ça ne nous dérange pas d'être cons une semaine par an. Ben oui, on est cons une semaine par an parce qu'on est effectivement en Tunisie ou ailleurs, et puis en fait, on ne sait rien. On ne sait rien de la culture du pays. Et à l'époque, c'était encore plus conséquent parce que tous les géos étaient... il y avait pratiquement, si je prends la Tunisie, il n'y avait pas nécessairement le Tunisien. Le Tunisien était ceux qui travaillaient dans les restaurants, dans les coulisses, mais dans la face visible de l'iceberg, dans toute l'équipe visible de géos, il y avait beaucoup plus de nationalités. Il y avait 18 nationalités. C'était une des richesses, d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai terminé les clubs Med, donc on commençait à avoir des géos japonais qui arrivaient. J'ai vécu avec des Brésiliens, avec des gens des Bahamas, des pays que je ne connaissais même pas moi-même. Donc, il y avait vraiment un rejet, mais... C'était un village de Gaulois complètement isolé, effectivement. Oui. On a dit aussi que ça poussait à son paroxysme le tourisme de masse, avec tout ce que masse peut comporter de péjoratif. Oui, ben c'est le côté de masse, mais en fait, il y a toute une frange de personnes qui veulent qu'on organise tout pour eux. Alors effectivement, on organise. À l'époque, on partait tous en même temps, entre guillemets. Il y avait des arrivages une fois par semaine, les avions n'étaient plus ce qu'ils étaient. Donc il y avait une organisation à faire et donc c'était la masse. C'était à certaines périodes. Aujourd'hui, ça s'est heureusement distillé. Alors pour parler vraiment des choses sérieuses, on en parle dans le document, il y a le côté season et surtout très sexe. Est-ce que à votre époque, c'était vraiment quelque chose un début des vacanciers là-bas? Je ne pense pas que c'était un début, mais en tout cas, c'était monnaie courante. On venait là pour s'amuser. Si on faisait l'amour, c'était bien aussi. On était encore dans la phase libération sexuelle de l'époque. Et je dois le préciser, moi j'ai terminé en 84, on ne parlait pas encore du sida. J'ai terminé pratiquement à ce moment-là. Et donc il y avait toujours cette forme de libéralisation. Ça faisait partie des meubles. Dans le reportage, on y va un peu fort. Je crois qu'on dit, mais c'est vraiment bon. Il n'est pas content de ses vacances, oui, parce qu'il n'a pas baisé. Il avait l'air un peu frustré quand même. Il avait l'air un peu frustré, c'est exagéré. Mais effectivement, ça faisait partie des meubles. On aurait fait l'amour comme si on faisait un match de volley, en fait. Il n'y avait pas de tabou précis. Ça faisait partie du plaisir qu'on pouvait s'offrir. Et alors, peut-être vous pouvez en parler, mais j'en ai parlé à des géos qui sont toujours géos aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas vraiment parler librement. Mais ils disent que parfois, à l'extrême, ils ont l'impression d'être vendus un peu avec le ticket d'avion. Est-ce que vous étiez vraiment... encouragé?
à satisfaire certaines clientes beaucoup plus que ça. On ne faisait pas incendier si on ne participait pas à la chose. Mais en tout cas, le célibat était de mise, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On devait être célibataire, on ne pouvait pas être en couple de Géo, c'était strictement interdit. Il y avait toujours la norme d'être impartable et on nous disait toujours le Géo est disponible 25 heures sur 24. D'accord. Sous texte, on peut venir frapper à votre case au plein milieu de la nuit. Donc oui, on nous le disait, ce n'était pas marqué dans le contrat, mais on nous faisait clairement comprendre, voilà. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas forcément de tabou là-dessus d'ailleurs. Non, pas du tout. Alors qu'en est-il des conditions de vie des Géo? C'est quelque chose dont on parle aussi dans ce document. Ça n'a pas l'air facile quand même d'être disponible 6 jours sur 7 et 25 heures sur 24, vous l'avez dit, pour un salaire qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément satisfaisant. Bon, bien sûr, vous êtes logé, nourri, blanchi au soleil, mais être sympa tous les jours, on a ce pauvre Géo qui a l'air pas très heureux, qui en parle, c'était vraiment dur. Il y a beaucoup de choses à dire. Certains disent que c'est une prison de luxe. Oui, on est forcé à sourire tout le temps, mais quand on fait une émission de télé, on montre sa bonne figure, et quand on est malade, ça fait partie des aléas du métier. Donc ça ne pose pas tellement de problèmes. Une fois qu'on a la forme, on a la forme. Je précise que 25 heures sur 24, oui, mais dans mon cas, à l'époque, c'était 7 jours sur 7. Et les gens n'avaient pas le droit d'avoir un jour de congé. C'était vraiment un miracle si on pouvait l'obtenir. C'était hors de question. C'était Arbeit. Mais il y avait, avec les équipes et le chef de village, il y avait les équipes qui travaillaient et les équipes qui travaillaient moins. Donc, si vous voulez être un géotravailleur, il y avait moyen de l'être. Et on apprenait beaucoup de choses. Il fallait trouver le bon filon. Oui, enfin, moi, j'ai toujours été travailleur. Donc, j'ai pris le pli, d'ailleurs, de m'orienter vers les chefs de village qui, de réputation, étaient travailleurs. Puis, il y avait les chefs de village beaucoup plus « glandeurs », entre guillemets, qui faisaient le résultat. Et ils étaient plus relaxés au niveau de l'amusement des gens. Mais à partir du moment où on aime son travail, on ne compte plus, n'est-ce pas? Donc, voilà. On ne compte. Moi, pour ma part, je ne comptais pas. Vous n'avez pas vécu ça comme une exploitation? Pas du tout. Et pour revenir à l'aspect financier, à l'époque, le club était un peu dans l'opulence. Donc, j'étais dans un service qui était l'animation. Donc, pour un oui ou pour un non, on offrait un verre. C'est moi qui gérais les tickets de bar. Ça génère des alcooliques, en fait, le Club Med, c'est ça? Non, en plus, moi, je ne buvais jamais. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on ne dépense rien. Donc, je dois reconnaître que je suis revenu avec une bonne enveloppe. Comme je ne fume pas, je ne bois pas, je suis revenu avec un bon petit matelas après mes 4 ans de club méditerranéen parce que je n'ai rien dépensé. Donc, finalement, j'étais satisfait. Alors, on va faire un zoom encore un petit peu plus en arrière pour découvrir l'histoire du tourisme en Belgique. C'était dans un télétourisme spécial. Et justement, en 2001, Guy Lemaire vous explique finalement pourquoi vous partez en vacances. Bien voilà, nous allons, bienvenue à Télétourisme, poursuivre aujourd'hui, comme annoncé, et en terminer là, du reste, notre petite histoire du tourisme à travers le siècle. On vient de voir, Vincent Michel, quelques images de mouvements sociaux qui vont donner un essor au tourisme. Oui, tout à fait. En fait, dans les années 30, les gens descendent dans la rue, manifestent, ils sont plus ou moins organisés par le biais de mutuelles ou de syndicats. Et arrivera la grande grève de 36 qui aura des répercussions, entre autres, sur les loisirs des travailleurs. Les vacances pour tous? Non, cela ne va pas de soi. La brèche taillée dans un privilège aristocratique et ensuite bourgeois s'est faite dans la rue, parmi les cris, les émeutes, dans la lutte des classes. Et le temps des congés payés, ça remonte à 1936. 1936, il y a grève générale. C'est la grande bagarre sociale qui porte sur quoi? Il y a 4 revendications fondamentales. La reconnaissance du droit syndical, la limitation précise du temps de travail, la fixation d'un minimum de revenus de salaire et première semaine de congés payés. Heureusement, le gouvernement, les autorités publiques et économiques ont cédé sur le tout. Je reprends, il faut simplement essayer de comprendre ce que ça veut dire. Jusqu'à ce moment-là, moi je suis fils d'ouvrier. Bon, mon père a été mis en apprentissage à l'âge de 11 ans. À partir de l'âge de 11 ans, il a connu la loi ouvrière, la loi industrielle. Oui. On vivait de quoi? On vivait du revenu du salaire. Et voilà que brusquement, en fonction de cette loi, il arrivait une semaine dans l'année, on devait plus se lever à 5h ou 6h du matin pour aller au boulot, on prenait le principe, on pouvait se reposer,
On pouvait prendre sa femme et ses enfants par la main et aller se balader et découvrir la Meuse et découvrir la campagne et découvrir l'Ardenne et découvrir la mer un peu plus tard, et ça a été absolument bouleversant, sans avoir à se préoccuper de rien du tout, en ayant encore son salaire en poche. Mais je crois que ça a été absolument fondamental comme transformation de vie des masses à ce moment-là. C'est un accès à la culture, finalement. À la culture et à la vie authentique du monde, à la connaissance du monde. Est-ce que, je ne sais pas comment vous pouvez représenter ceci, mais quand, pour la première fois de leur vie, les ouvriers de Charleroi, de Châtelineau, de Verviers, de Liège, de n'importe où, ont pu prendre le train avec leurs femmes et leurs gosses. Et on put se rendre, à peu de frais d'ailleurs, avec des tarifs considérablement diminués, nous étions battus pour ça aussi. On put se rendre pour la première fois sur la côte belge et qu'ils ont découvert la mer. Est-ce que vous imaginez ce que ça pouvait être? C'était un monde entier qui vous pétait au visage. C'est absolument extraordinaire. Maintenant, c'est une banalité. Tant mieux, ça va bien, on ne va pas s'en plaindre. Mais il a fallu passer cette période authentiquement révolutionnaire pour en arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais bien vite, le désir d'utiliser les loisirs et les vacances pour façonner et embrigader le peuple se fera sentir. Lorsque le tourisme a commencé à se diffuser dans l'ensemble du corps social et où des organismes ont de manière très délibérée, volontaire, encouragé les personnes qui disposaient de temps libre à les occuper de la manière la moins subversive possible. Il ne faut pas oublier que dans l'Italie fasciste comme dans l'Allemagne nazie, il y avait des structures très puissantes de prise en charge des vacances ouvrières. Qui organisait des déplacements à l'intérieur du pays, voire même à l'extérieur. Alors bon, 1936, loi sur les congés payés, c'est bien, on commence à prendre des vacances, des excursions, on a à peine le temps de s'habituer, boum, 1940, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête pendant 5 ans, et puis les choses vont reprendre là où on les avait laissées. Les auberges de jeunesse, par exemple, qui ont été créées dans l'entre-deux-guerres, justement pour permettre aux jeunes de fraterniser, de se rencontrer le sac au dos, vont de nouveau être remises au goût du jour. On s'intéresse aux jeunes, aux enfants, on leur propose des colonies de vacances, organisées notamment par les syndicats, on leur inculque certaines valeurs par la même occasion. Et puis, les gens se mettent en route, ils ont l'opportunité de séjourner dans des centres de vacances qui sont aussi en fait souvent chapeautés par des administrations ou encore par des syndicats, des mutuelles. Possibilité aussi de séjourner dans des clubs de vacances, des villages de vacances qui apparaissent. Un exemple, le club Méditerranée au départ est une ASBL. Et puis on prend la voiture puisque la voiture se démocratise. Et on part à l'aventure, on séjourne dans les campings, en Angleterre, dans les bed and breakfast, par exemple. C'est un phénomène qui va profondément, à ce moment-là, se transformer aussi parce que l'offre touristique évolue. On passe d'une organisation qui est plutôt de type artisanal, avec un secteur de l'hébergement, notamment, qui est encore un secteur souvent familial, à une organisation qui est de plus en plus industrielle, même si l'adjectif est peut-être mal choisi, puisqu'on est là dans une activité tertiaire. Mais c'est vrai que c'est une activité où il y a des phénomènes de concentration, des phénomènes de multinationalisation qui se mettent en place, avec la conception de produits intégrés que vendent les tours opérateurs. C'est en 1954 que l'Ostendais Rudolf van Moerkerk fonde sa société d'autocars. Il posait la première pierre de ce qui devait devenir un véritable empire de voyagistes. À ce moment-là, c'est-à-dire on a fait quelque chose qui est un peu comme l'œuf de Colomb, donc, n'est-ce pas, on achetait des kilomètres en Belgique et je vendais des kilomètres pas seulement en Angleterre, mais aussi en Amérique, parce qu'après-guerre, il n'y avait quasi pas d'avions. Alors, les avions qui existaient, c'était des DC-4 et limités. Et nous avons amené les Anglais, parce qu'ils voulaient voir, après la guerre, de nouveau l'Europe. On les a amenés un peu partout, en Italie, en Suisse, et pas seulement en Belgique. Et puis alors, par la suite, vous avez acheté une agence de voyage et vous avez saisi l'opportunité d'un nouveau moyen de transport qui était le charter. Vous avez en fait été... ici, en Belgique, le précurseur du tourisme, de ce qu'on a appelé le tourisme de masse. Un peu, oui, c'est-à-dire dans ce sens-ci.
que j'ai vu une ouverture. Et c'est ce que j'ai fait après que j'avais vendu les kilomètres. Les gens ont évolué, émancipé. Ils ne voulaient plus faire des 1000 kilomètres par autocar. Et ils sont passés à l'avion. À ce moment-là, j'ai formé Sonair et nous avons socialisé avec une société qui existait déjà à ce moment-là, Air Tours. Donc on a donné une autre orientation à ce genre de tourisme par avion et qui était quand même social. Pendant les 30 Glorieuses, de 1950 à 1980, l'ambiance est à la croissance et au progrès. Le tourisme n'y échappe pas. Le taux de départ en vacances ne cesse d'augmenter. Pour beaucoup, c'est l'annonce d'un nouveau bonheur. Si, Saint-Denson, les 3 S, puis les 4 S, sexe en plus, popularisés durant les années 60. Les grands départs vont maintenant se faire l'été. Mais on a trop vite prophétisé le tourisme pour tous, croyant que le départ en vacances est un besoin fondamental. Le second choc pétrolier amène un palier, et la guerre du Golfe aura des effets désastreux. Aujourd'hui, des foules venues de pays divers se retrouvent au même lieu, en même temps et de plus en plus. Leur nombre est un élément du spectacle qu'ils se donnent à eux-mêmes. Le tourisme éclate, s'internationalise, se diversifie en ses motifs. En Belgique comme en Europe, l'heure est à la production industrielle de voyages. Grand problème dans l'avenir du tourisme comme dans l'avenir de beaucoup d'activités humaines. C'est qu'il y a au départ une volonté intelligente, une volonté d'accès à la culture, une volonté d'ouvrir au savoir, à la jouissance, etc. Et puis il y a de l'autre côté l'exploitation commerciale crapuleuse et sacrée de cette activité-là. Brusquement, on découvre. On se foutait éperdument des vacances des ouvriers, on se foutait éperdument de leurs connaissances, de leur pays et des richesses culturelles et des richesses artistiques. Et puis quand on découvre que ça peut rapporter du fric, on organise tout de telle manière qu'on envahit tout et qu'on détruit tout, qu'on risque de détruire tout. Aujourd'hui, à coup de rachat et de fusion, les grands voyagistes cadenassent le marché des vacances. Le métier des agents de voyage devient difficile, de plus en plus menacé par Internet. État des lieux en compagnie de Rudolf Van Moerkerk. En ce qui concerne donc, n'est-ce pas, l'industrie, elle doit davantage se spécialiser, ça va de soi, et davantage il faut rechercher la qualité, et bien sûr il faut le marier au prix, et s'ils peuvent réussir ce coup, il y a encore une place pour des professionnels dans le tourisme demain, mais c'est eux qui doivent le prouver et c'est eux qui doivent le faire. Alors maintenant que nous sommes, je ne dirais pas tout à fait la conclusion, mais presque de ces deux numéros hors série, je dirais, de télétourisme sur l'histoire du tourisme, j'ai envie de vous poser une question. Où vers quoi va-t-on ? Difficile à dire. Il y a des tendances qui se dégagent. Un retour vers l'authenticité, abandon de l'artificiel, on veut du naturel. Davantage aussi de tourisme intelligent, entre guillemets. Le tourisme culturel est au goût du jour. On veut retourner sur des sites empreints d'histoire, notamment des grands classiques, la Turquie, l'Égypte. Et puis, difficile de dire de quoi sera fait le tourisme de demain. Maintenant, évidemment, tout le monde peut consulter des agences de voyage virtuelles par le biais d'Internet, peut réserver son voyage aussi. Ça concerne une petite frange des gens, évidemment. Donc, les agences de voyage ont encore quelques années devant elles. Et puis, bon, l'avenir, pourquoi pas des voyages sur la Lune, des vols interplanétaires, c'est du domaine du possible. Je crois qu'aujourd'hui, on a une panoplie de motifs qui peuvent relever soit de la rupture avec la vie quotidienne et avec les rythmes qui nous sont imposés par la vie quotidienne, mais qui peuvent relever aussi une meilleure connaissance de soi-même à travers la découverte de l'autre. Une meilleure connaissance de soi-même à travers la découverte de l'autre, à travers notamment le développement de déplacements
de type ethnotourisme ou tourisme culturel mettant l'accent sur la rencontre avec d'autres cultures. Ou bien l'anthropologie, finalement. Voilà, d'une certaine manière, une anthropologie appropriée par tout le monde, avec la seule nuance que bien peu, finalement, de Belges pratiquent ce genre de tourisme. Mais on peut aussi avoir pour motif de déplacement la recherche du dépassement. Hein, je crois qu'il y a toutes les formules de tourisme sportif qui se sont multipliées, ou de tourisme d'aventure qui se sont multipliées, et qui participent d'une certaine, ou d'un certain dépassement, d'aller au-delà de ses possibilités, de ses limites personnelles. Voilà donc une histoire assez complète du tourisme en Belgique. Bien sûr, c'était en 2001, donc quelques mois avant les attentats, donc peut-être qui ont changé un petit peu la donne. Pour en revenir au Club Med, il a été construit dans les années 50 par Gérard Blitz, qui était belge à l'origine, et Gilbert Trigano, des gens qui avaient connu la guerre et qui donc avaient une envie de redécouverte, de liberté et surtout d'insouciance. Ensuite, vous avez parlé, il y a eu mai 68, la libération sexuelle, donc là c'était plutôt justement une liberté d'un autre ordre, et puis la vie en communauté. Est-ce que ces deux époques ne sont pas un petit peu révolues aujourd'hui? Différemment, j'ai l'impression. Différemment, je crois qu'on cantonne plus les choses. D'ailleurs, le Club Med le fait. Il y a les villages où on va pour s'amuser, les villages plus découvertes. J'essaie évidemment d'élargir le champ d'horizon pour ne pas rester que si Sex and Sun. Mais ce n'est pas révolu, parce qu'aujourd'hui, tous les tourismes sont possibles, ils sont ouverts, mais on peut le faire de manière plus cantonnée. Je ne pense pas, non. Donc le Club Med répond aujourd'hui à une époque où les gens se spécialisent dans un type de vacances. Il essaye du moins, parce qu'effectivement à côté de ça, il y a tous les autres tourismes possibles. Aujourd'hui, on a vu le tourisme extrême ou l'écotourisme, où on a décidé de faire les choses soi-même. Je crois que c'est le maître mot de tout ça, c'est l'organisation, savoir envie de prendre ou de ne pas prendre le temps d'organiser soi-même ses vacances. Alors effectivement, formule Club Med, un coup de fil, on a tout, et en plus là-bas, il propose, on dispose, ou bien on décide de prendre à bras le corps ses vacances et dire comment je vais le faire, comment je vais m'organiser, de réserver soi-même, quitte à de partir à l'aventure avec son sac à dos. Donc c'est, voilà, tous ces tourismes existent, et au Club Med, malgré tout, même si on fait découverte ou un autre type de tourisme, on l'organise pour vous. Mais il y a tout l'autre tourisme qui est de l'organiser soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Donc vous êtes retourné au Club Med plusieurs fois, vous avez gardé des amis là-bas. Donc que vous raconte-t-il? On sait que le Club Med a connu une crise dans les années 90 suite à la guerre du Golfe. Il y a répondu, mais peut-être est-ce que c'était d'une manière qui ne correspond plus tellement à l'esprit du début. D'ailleurs, au départ, le Club Med était une ASBL. Comment est-ce qu'aujourd'hui il se situe? Ben, j'ai l'impression, bon, de l'extérieur, les amis que je vois, il y en a encore un qui travaille. Qui a fait carrière au Club Med. Qui a fait carrière, mais qui n'est plus dans les villages, qui est resté dans les bureaux à développer des choses, parce qu'il y a plein de choses à développer. Non, je pense surtout que la demande n'est plus la même, les gens ont changé. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une crise pétrolière, pardon. C'est aussi surtout que d'autres organismes ont compris que ce type de vacances existait. Donc, il me semble qu'en 84, quand j'ai arrêté, commençait la concurrence. C'était d'ailleurs la fin pratiquement de Gilbert Trigano. Le fils Trigano arrivait avec une autre gestion, une autre mais volonté de faire. Mais il a été gentiment appelé à sortir. À sortir, oui, mais ça c'est pour des raisons, je pense, d'actionnariat ou peu importe. Après, le monde bouge et au niveau économique, ça prend d'autres données. Je pense non qu'effectivement, le tourisme a évolué dans une demande particulière, et on a mis dans ces demandes des choses aussi plus économiques. Le touriste veut être mieux servi, mieux manger, mieux être logé. On recherche le confort. Enfin, ce tourisme-là recherche le confort, puisque l'écotourisme existe de l'autre côté. Mais à l'époque, on s'en foutait, on arrivait. Oui, les cases n'étaient pas forcément des modèles de... Non, mais on acceptait le camping de luxe. Mais en fait, s'il y avait un problème, on se retrouvait à trois au lieu d'être à deux. Ça ne posait pas le drame que ça pose aujourd'hui. On prenait. Et bon, à l'époque, tout n'était pas bien organisé nécessairement. On a vécu des périodes d'overbooking. Je me souviens que tous les géos, au mois d'août, tout d'un coup, se retrouvaient dans une tente de l'armée tunisienne parce qu'il y avait un overbooking et qu'on était obligé de décamper pour faire loger les gens. Mais les gens s'en foutaient. S'il y avait un problème, on le réglait au bar amicalement avec tout le monde. Aujourd'hui, il y a des commissions litiges. Ça aussi, ça a changé. Le touriste est devenu plus exigeant sur ce qu'il veut ou sur ce qu'il fait. C'est surtout ça qui a changé. Donc, le côté animation
d'un peu passer au second plan, au profit de, attention, il faut bien faire ceci, il faut bien faire cela. Et puis maintenant, il y a des rentabilités. Donc les chefs de bar de l'époque étaient soit des alcooliques, soit des fêtards. J'exagère un peu en disant alcooliques, mais surtout des fêtards. Les chefs de village étaient des fêtards. C'était la fête d'abord. Aujourd'hui, soit ils ne le sont plus, soit on leur demande surtout d'avoir des compétences de gestion, de meneur d'homme, de philosophie. Et je sais, pour avoir entendu, que les Géos, on essaie de leur proposer des plans de carrière. Maintenant, ils peuvent être en couple, par exemple. À la limite, on accepte ça. Donc, tout ce genre de choses-là qui fait qu'ils doivent s'adapter à l'offre économique, au circuit économique, mais aussi à la demande de sécurité que les gens recherchent. Alors, depuis le départ, j'ai l'impression que le Club Med, mais aussi la plupart des clubs de vacances qui fournissent ce genre de service, a déchaîné les passions. Il y a les aficionados, vraiment, les fanas qui continuent toute leur vie à retourner, et les détracteurs. Est-ce que c'est vraiment on aime ou on déteste? Je pense que oui, enfin, il y en a qui pensent comme ça. Moi, je suis adepte des deux, quand je dis des deux types de vacances. Moi, j'ai toujours envie éventuellement d'aller dans un club de vacances ou d'aller au club parce que je suis organisateur d'événements et qu'une semaine par an, je suis bien content que d'autres organisent pour moi. Voilà. Je m'arrête et dis, viens, propose-moi, dis-moi ce qui est au menu et moi, je vais choisir. Ça, c'est super et on se repose. Et puis, effectivement, je pense, c'est bien de pratiquer... comme on l'a dit, une notion plus de découverte, de savoir qui on est, d'où on vient, etc., et d'aller voir d'autres populations, parce qu'aujourd'hui, on nous le permet grâce à tous ces modes de communication. Il y a même des chaînes de télévision qui se créent, qui ne montrent plus que ça. Donc voilà, ça nous aspire à faire les deux. Donc moi, je ne suis ni détracteur, ni promoteur. Je pense que les deux vacances ont le mérite d'exister et qu'on peut les pratiquer ensemble. Merci Pierre-André Hitain d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission et c'est déjà la dernière émission de cette saison. Donc merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments de Zoom arrière durant tout l'été. Ce sera sur la 2. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui collaborent à cette émission et qui m'entourent pour préparer tous ces Zooms arrière. Il y a Karine Despontin, l'assistante de production, Nathalie Tozel, la script, Marianne Suzny, la productrice que vous connaissez bien sûr. Et parmi toutes ces femmes, il a beaucoup de mérite, même s'il assume particulièrement son côté féminin. Il y a celui qui réalise cette émission. C'est Lilian Cornelis. Merci aussi à tous ceux qu'on ne voit jamais, mais sans qui nous ne serions jamais là chaque semaine. Les maquilleuses, la technique, merci à vous. Et que vous partiez au club ailleurs ou que vous restiez à la maison, passez d'excellentes vacances. À très bientôt. L'homme de l'avenir vaudra ce que vaudra ses loisirs. Jean Guéhenno.